Ils sont 24 sur les terrains annexes du stade du 30 juin au Caire en Égypte, soumis à l'opération séduction pour une probable place avec le groupe qui va disputer les deux matchs des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022 au mois de mars prochain. Tout le monde espère tant cette qualification. Donc voilà pourquoi on est là, c'est pour se donner et pouvoir être dans ce groupe. Pendant ces stages de préparation, Hector Cooper, lui, est partagé entre ses exigences en tant que sélectionneur principal et le rôle de recruteur qu'il doit jouer avec un regard attentif et méticuleux sur l'ensemble de l'effectif, plus particulièrement sur les 20 joueurs en provenance du championnat de la RDC, bien que même pour les 4 autres, rien ne soit garanti. Les sélectionneurs veulent voir tout le monde, sans exception. Et 40, 30, 60 minutes, cela dépendra de ce qu'il verra. Les joueurs, eux, s'imprègnent tant soit peu de la méthodologie de travail du sélectionneur. On est en train d'apprendre une nouvelle philosophie, la philosophie du coach lui-même. Et ça m'apporte quelque chose de plus à rajouter à ce que j'avais avant par rapport aux entraîneurs que j'ai eu à côtoyer en équipe nationale. Parce qu'on a mon il y a motivé Bissoli Soussou. Donc, le barrage qui est de continuer à serrer Oyo, de continuer dans un esprit haut aux anges, haut aux coups, haut aux autres clubs, haut aux autres dans l'équipe nationale. C'est mardi 4 janvier 2021, la veille du premier match amical contre Pyramide FC, club de première division égyptien. Une opposition qui va permettre à certains d'entre ces léopards de se mettre en évidence. Question d'attirer une attention particulière du sélectionneur Cooper. Parce que lui, il va se mettre un peu à l'écart, il sera dans les gradins. Et de là, il va chaque fois diriger, demander tel joueur, demander tel changement, demander tel consigne. Et nous serons là pour exécuter. Notons par ailleurs que cette première opposition amicale va donner une autre tournure à ces stages de préparation.